Alors nous allons maintenant accueillir notre frère Guy, qui va venir partager avec nous une parole quant à ce que le Seigneur a fait dans sa vie, dans les temps précédents. Et donc, c'est une façon de voir comment Dieu agit toujours aujourd'hui. Donc Guy, je t'invite à venir au micro. Bonsoir tout le monde. Oui, je m'appelle Guy Séba, origine Cameroun. Dieu m'a fait vivre une expérience que je n'arrive toujours pas à réaliser. Et que j'aimerais que vous sachiez que Dieu existe et qu'il agit. Ce qu'il a fait hier, aujourd'hui, et demain, il le fera toujours. Parce que il m'a fait voyager. Un voyage où tout le monde part sans retour. Mais moi, j'ai fait le voyage de retour. C'est-à-dire le 25 décembre 2011, j'ai été déclaré mort. Suite à une ablation du foie et d'une transplantation qui a mal tourné, finalement j'ai rendu l'âme et tout a commencé un matin. Sur mon lit d'hôpital, j'ai passé un an, 3 mois d'hospitalisation. Sur mon lit d'hôpital, le matin, j'ai commencé à sentir des fourmillements au niveau des pieds. Et cette sensation progressait, ça montait. Au fur et à mesure que ça montait vers le haut, la partie où je ne me sentais plus devenait inerte. Sans compter qu'il y avait quelques jours, ça, c'est ce qu'on me raconte. Je ne parlais plus, je ne reconnaissais plus les gens. J'avais le regard figé. Je ne fermais pas les yeux, j'avais le regard figé. Donc, au fur et à mesure que cette sensation montait, arrivé à ce niveau, j'ai senti un craquement, comme si on cassait quelque chose. Et juste quand cela s'est passé, je me suis vu en train de monter, de survoler. À un niveau, je regarde, je me vois couché sur le lit, mais je monte. Déjà, il n'y avait plus de plafond dans ma chambre. C'était comme un tunnel, c'était ouvert. Je montais comme s'il y avait quelque chose qui m'aspirait. Je montais, je montais, je montais. Et à un certain niveau, pendant que je montais, je comprenais encore comment les gens pleuraient. Et comme le médecin, je ne sais pas si c'est le médecin ou c'est l'infirmière qui a dit, ça y est, c'est fini, ce monsieur est mort. J'ai bien entendu, j'ai compris ça, mais je ne pouvais pas réagir pour dire, non, je ne suis pas mort. Puisque je vous entends, donc je ne suis pas mort. Et finalement, comme je ne pouvais rien, je ne faisais que monter. Je suis arrivé à un niveau où il y avait un petit passage. Sur ce passage, de deux côtés, à droite, il y avait un ravin dont je ne voyais pas le fond. Et à gauche, il y avait un grand trou, comme un forage, comme un puits. Évidemment, le fond aussi, je ne le voyais pas, mais ce que je voyais flotter, c'était un amas de fourmis. Des fourmis maniants. J'ai terminé de passer ce couloir et je suis entré
dans un tunnel. Dans ce tunnel qui était déjà quand la première partie, j'étais presque dans le noir. Mais après, quand je suis entré dans ce tunnel, j'ai vu la lumière. Je suivais dans la lumière. Au bout du tunnel, ça s'est divisé en deux. À la sortie, il y avait un côté tout noir et l'autre côté une lumière que je ne peux pas décrire parce que ça ne ressemblait pas à une lumière commune qu'on a l'habitude de voir. Et l'autre côté était noir, opaque. J'ai hésité quelques minutes. Après, j'ai pris l'embranchement du côté où il y avait la lumière. J'ai commencé à marcher dans la lumière. À peine quelques pas, j'ai entendu une voix qui me disait Monsieur, vous allez où? Je regarde autour de moi, je ne vois personne, mais j'ai entendu comment quelqu'un me parlait. Je n'ai pas fait fi, puisque je ne voyais personne. J'ai continué à marcher. Et cette marche, on ne sent pas la dépense physique. C'est comme si on flottait, c'est comme si on était dans un ascenseur. Et après, je ne faisais que continuer, et à un moment, la voix a repris. Monsieur, vous allez où? Je regarde, je ne vois personne. J'ai toujours continué à marcher. Et après la troisième fois, la voix a dit, Monsieur, vous allez où? J'ai dit, non. Et la personne a dit, Monsieur, vous allez où? Rentrez. J'ai dit, non, je ne rentre pas là-bas. Je me sens bien ici. Effectivement, on se sent très bien. Il y a une sensation de bien-être que je ne peux pas décrire. Une sensation de bien-être, si bien que quand on vous demande de revenir ici, sur Terre, vous n'avez pas envie. Vous avez seulement une seule chose, c'est de rester là-bas. J'ai donc dit, non, je ne rentre plus là-bas, je préfère rester ici. Après, j'ai voulu continuer et la voix dit, Monsieur, rentrez avec un ton ferme. Et quand elle a dit rentrez, je me suis retrouvé sur mon lit et je ne sais pas comment j'ai fait pour le chemin retour. Je me suis retrouvé sur mon lit et c'est à ce moment que j'ai senti comment ça s'agitait dans la chambre. On me branchait de partout. J'étais branché de partout et j'ai repris la connaissance, j'ai repris. Et puis j'ai ouvert les yeux. Et là, je voyais franchement comme maintenant, je voyais les gens, je reconnaissais tout ce qui était là autour de moi. Je me suis réveillé, il y avait des médecins, des infirmières, des aides-soignants, il y avait plein de monde dans la chambre. Et ils ont commencé à me réanimer. Je ne sais pas combien de temps j'avais mis du jour de la mort jusqu'au retour. Je ne sais pas combien de temps parce que j'avais perdu la notion du temps. J'avais perdu tous les sens de la vie humaine. J'avais tout perdu. Et quand je me suis réveillé, ils ont commencé à me faire toute la procédure de réveil.
des massages et tout. Et tout ça, c'est pour dire que Dieu est vivant, il agit, il est toujours le même. Ce qu'il a fait hier, il le fera, juste, il le fait aujourd'hui et il le fera toujours demain. Et que nous sachions que quand on meurt, il y a une vie de l'autre côté, on vit toujours. Et que je voulais que vous sachiez qu'il entend nos prières et il répond. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont prié pour moi, pour ne pas mourir, qui ont prié. Et il a répondu à leurs prières. Mais moi-même, personnellement, je ne voulais pas venir. Je ne voulais pas revenir. Donc, il m'a fait grâce, il m'a fait revenir sur terre. Et je profite de l'occasion pour lui dire, pour lui rendre grâce, lui dire merci. Et qu'il me dise, qu'il me soutienne et qu'il me dise pourquoi est-ce qu'il a permis que je revienne. Est-ce qu'il a voulu que je fasse quelque chose pour lui que je n'ai pas fait? C'est cela qui m'a renvoyé sur terre. Donc, mes frères et sœurs, je vous dis, faites-le confiance. Faites confiance au Seigneur. Il agit et il répond à nos prières. Merci. Allons